Konnichiwa, minasan, je suis Shinbabegum. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture. Ça fait un bout de temps que je n'ai plus rien ouvert, donc je suis très contente de pouvoir, avec vous, ouvrir ces 4 boosters génération aujourd'hui. Alors, j'ai jamais ouvert de génération, je sais qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette série, mais je n'ai jamais. Enfin, vu que je ne collectionne pas cette série, en plus, les boosters coûtent hyper cher. Je me suis dit, au final, je vais quand même les ouvrir car j'ai 4 boosters génération qui vont encore arriver que j'ai eu avec un échange. Donc, je vais les ouvrir avec vous. J'espère que ça vous plaît. Voilà, c'était les boosters qui sont sortis pour les 20 ans de Pokémon. Donc, je vous montre un petit peu le dos. Il y a le Tortank, le Florizarre, le Dracaufeu et le petit Pikachu. Voilà. On va les ouvrir dans cet ordre-là. Voilà, parce que en dernier, le Florizarre, parce que c'est mon starter préféré de la première génération. Même si les autres, ils sont géniaux aussi. Mais bon, donc on va commencer par le Pikachu. Alors, mes petits ciseaux, ils sont ici. Ok, parce que j'aimerais garder les boosters intacts pour ma collection de boosters décelés. Voilà. Ok, et c'est parti donc pour l'ouverture de ce premier booster de génération. Voilà, alors 1, 2, 3, 1, 2, je pense, je ne suis pas sûre, parce qu'il y a aussi la Pokécune qu'on peut avoir dans cette série. Je zoome un tout petit peu, voilà. Alors, une énergie psy, chouette, chouette. Hop. Ensuite, un Fantomius. Ouh, je connaissais pas cette carte. Elle est super jolie. Elle est magnifique. Waouh, regardez-moi ça. Trop, trop belle. Ensuite, sac de nœuds. C'est une illustration qui vient de XY de base, je pense. Ne me tuez pas si j'ai faux, mais je suis presque sûre. Ensuite, on a Doduo. Ouh, très belle carte. Celle-là aussi, je ne connaissais pas. Après, toutes les cartes ne sont pas des rééditions, donc ça va. Ok, ensuite la reverse. Astéra. Très belle carte. Alors, c'était la quantième. 1, 2, 3, 4. Je me suis un peu trompée, peut-être dans la 1, 2, 3, 1, 2. Mais bon, après, il y a les cartes de la Pokécune, normalement. Voilà, le flop bébé de la Pokécune. Non, c'est pas la Pokécune ça. C'est pas la Pokécune ça, mais pourquoi il y a un petit. Parce qu'il écrit RC ici, c'est normalement la Cute Collection qu'ils ont remis. Mais faudra que je vérifie. Mais je suis quasi sûre que celle-là ne fait pas partie de la Pokécune. Enfin, du moins pas celle en japonais. Ensuite, on a Imakuni. Ah, peut-être qu'ils ont rajouté des cartes. En tout cas, celle-là, elle est drôle. On continue sur une autre dresseur, le fan club Pokémon. Ok, c'est cool. Et on termine sur. Ah non, c'est pas encore la dernière carte. Voilà, Altaria de la Pokécune. Ok, celle-là, elle est jolie. Celle-là, j'aime bien. Et on termine sur. Ouais, du lourd, du lourd! Élector Foulard. Waouh! Ah, mon protège-carte! Mon protège-carte! Ok. Petit protège-carte à la Pokécune. Waouh! Génial! Génial! Genre, je m'y attendais pas du tout. Dès le premier booster, Élector Foulard. Waouh! Magnifique! Juste magnifique! Ok, c'est cool, ça commence bien. Ça commence bien. On va continuer sur le 1, 2, 3, 1, 2. Parce que j'ai l'impression que c'est la chose à faire. Hop, hop. On continue donc avec le petit Dracaufeu. Le tout petit Dracaufeu. Ok. 2, 3, 2. Donc il y a la reverse et puis les autres cartes, je ne sais pas trop. Ok, on continue. Alors, une autre énergie. Une énergie fée. Je ne sais pas si à chaque fois il y a une énergie dans le booster. Mais en tout cas, l'énergie fée, elle est très jolie. Les petits Magikarp. Je sais chez qui il ira celui-là. Le Ponyta.
Mélofée. Très belle carte, j'adore, c'est trop mignon. Trop mignon. Essaye d'attraper les étoiles, c'est adorable. Ensuite, en reverse, le Ronflex, c'est une rare reverse de Vigueur Spectral. Non, je sais plus. J'essaie de me rappeler de quelle série elle vient à la base, mais je ne me rappelle pas. Mais elle est juste trop belle. Ensuite, Tilton. Ok, on continue sur Astera qu'on a eu en reverse dans le précédent booster. Ensuite, un Nosferalto. Très belle carte. Si derrière, je sais pas c'est quelle ville, on voit une arène là. Cool. Ça me dit quelque chose, mais je me rappelle plus trop de quelle ville il s'agit. Et on continue avec un Mystigrix de la Pokécune ou la Cute Collection. Voilà, et on termine sur un ectoplasma holographique. Waouh! Ok. C'était aussi une holo dans je ne sais plus quelle série. Peut-être dans Rupture Turbo, je sais plus. Peut-être dans Rupture Turbo ou Impulsion Turbo, je sais plus. Mais bon, on continue donc avec le Tortank. Ok, alors. Coupe, coupe, coupe. Voilà. D'ailleurs, je vais probablement acheter des boosters de la nouvelle série qui est sortie il y a quelques jours, je pense. Quelques jours. Ou qui doit encore sortir, mais je vais essayer de me prendre 4 boosters, 4 illustrations différentes, afin de pouvoir vous faire une autre ouverture en vrac comme ceci. Voilà. Car ça m'en manque un petit peu de faire des ouvertures. Donc je vais essayer de réapprovisionner tout ça dans un futur proche. Alors, on continue avec un petit Krabby de Vigueur Spectrale. Une énergie eau, un racaillou, un Mélofée encore, en reverse un carton rouge. On continue sur le Raichu qui est juste trop beau. Ça, c'est une très belle carte que j'aime beaucoup. Ensuite, Sbire de la Team Flare. On continue sur un Machoper. De la Pokécune, on a le Dedenne. Trop mignon. Et on finit sur une ex. Je sais pas, c'est peut-être un Tortank, je sais pas. Oh, j'ai trop envie que ce soit l'Aqualie. Ah, le Tortank. Ah, le Tortank, il est génial aussi, de toute façon. J'aime beaucoup Tortank. Oh, où j'ai mis mes protège-cartes? Je les avais en main il y a 2 secondes. Mais où qu'ils sont? Ah ben, bravo. Eh ben, bravo! Ah, ici. On a notre petit protège-carte de Pokécune. Les petits protège-cartes de la Pokécune. Ok, mais après c'est des boosters très chanceux. On peut même avoir 2 ultras dedans. Mais pour le moment, 2 ultras et une holo, c'est déjà très bien. Bon, peut-être que je compte quand même collectionner Génération. Je sais pas, faut voir. Mais en tout cas, en ce qui concerne la Pokécune en français, je ne compte pas du tout la collectionner. On continue 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est reparti avec un sac de nœuds Ramolos. Elle fait trop rire cette carte. Elle est juste trop bizarre. Elle est juste trop simple en fait. Ok. Ok, pourquoi pas, hein. Elle est pas moche, hein, mais elle est bizarre. Elle me plaît pas trop. Ensuite, j'aime bien les illustrations très détaillées en fait. C'est ça mon kiff. Ok, ensuite, les Meowth. On continue sur le Fantominus qui est juste trop beau. En reverse, le Ponyta. Aussi une carte que je trouve trop bizarre. C'est censé donner l'impression de regarder le Ponyta de haut. Mais je sais pas. Non, ça me plaît pas trop. On continue donc sur Kulbetoke. Kulbetoke. Ensuite, Nosferatu encore une fois. On continue sur Evolusoda. Ensuite, ouh, ça sent le Mega Gardevoir Shiny. Ça sent le Mega Gardevoir Shiny. Cette carte est juste super magnifique. Avec le Gardevoir Shiny ici, le Gardevoir normal ici, et toutes les deux en méga évolution.
On dirait qu'elles sont en train de danser ensemble, c'est juste trop beau. Mais c'est la carte que j'ai eu le plus de mal à trouver dans la Pokécune en japonais. Quelqu'un me l'avait échangée en français et voilà que je la repioche en français. Donc voilà, celle-ci est d'office à l'échange. Je l'ai deux fois. Donc elle est deux fois à l'échange. Si vous la voulez, n'hésitez pas à me contacter. Je vous l'échange avec plaisir contre une autre ultra ou d'autres cartes. Enfin, faut voir. Faut voir ce que je cherche sur ma liste. Mais bon, en tout cas, même si elle est super belle, j'en ai un peu marre de la voir. Elle me saoule. Elle me saoule! Et on termine avec un Kikli en rare. Ok, bon, on va quand même mettre le Gardevoir sous protège-carte. Hop, voilà. Ok, bah c'est pas grave, on a quand même une super pioche. On n'a pas eu deux ultras dans un booster, mais c'est pas grave. Donc on a eu le Ectoplasma holographique, qui est juste trop beau. Ensuite, le Méga Gardevoir Shiny Full Art, le Elector Full Art et le Turtank X, qui sont juste trop beaux aussi. Je suis super contente d'avoir pu piocher ces ultras. Donc voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez le Méga Gardevoir Shiny Full Art de la Pokécune. Je l'échange avec plaisir. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, à mettre un petit commentaire. Quelle est votre carte génération favorite? Il y a 2 secondes, quand j'ai pioché le Turtank, j'ai dit que je voulais le Aqualie, et je me suis complètement gourée. Il n'y a pas d'Aqualie dans cette série. Enfin, c'est dans l'avant-dernière série qui est sortie, la XY10. Je sais pas, mais je sais que dans une des séries récentes, il y a un Aqualie X juste trop beau que je veux dans ma collection, que j'ai en japonais, mais que je n'ai pas en français. Je le veux trop. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez l'Aqualie X, si vous voyez de laquelle je veux parler. N'hésitez pas à venir me contacter, je la voudrais bien avoir, enfin je voudrais bien l'avoir ou l'échanger. Pas acheter, j'ai pas trop les moyens d'acheter des boosters en ce moment. Enfin voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus d'ouvertures Pokémon ou d'autres vidéos. Je fais de tout. Je fais de tout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye!